J'ai plein de petits colis, en gros, c'est des marques, en gros, qui m'ont envoyé des colis, mais genre divers colis, hein, tu vois, il y a genre de tout et n'importe quoi. Mais en gros, pour avoir d'autres colis, etc., il faut que je présente celle-là, tu vois. Mais du coup, je vais juste vous demander un truc, les gars, c'est avoir 1000 j'aime. Voilà. Si j'ai 1000 j'aime en dessous de cette vidéo, je fais une vidéo où genre je présente tous ces colis. Parce qu'il y a un colis aussi d'un fan, enfin d'un abonné à moi en gros, où il a ouvert sa boutique. Et il m'a envoyé tout ce qu'il avait sur sa boutique. Et du coup, ben, si j'ai 1000 j'aime, ben, je vous montre ce qu'il m'a envoyé. Et peut-être vous les faire gagner aussi. Tu vois, donc peut-être que tous ces colis, peut-être qu'il y a genre des trucs que je vais pas m'en servir. Donc peut-être que je vous les enverrai en, je sais pas, genre en mode comme ça, tu vois, genre en mode petit concours, sa mère, et voilà. J'ai changé de téléphone aussi. Oui, parce qu'en fait, on s'en bat les couilles, tu vois. Et j'ai changé de téléphone, voilà, tranquillou. Snapchat, frère, c'est le seul réseau social où je suis le plus actif. Bon, les gars, là, ça va être une vidéo unboxing. Après, ça sera. Enfin, il y aura deux parties en gros de la vidéo. Il y aura première partie, là, unboxing. Et deuxième partie, ça sera le test. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'ai mis du scotch, comme d'hab, tu connais pour l'adresse, etc. Voilà. Petit colis, tranquillou. Voilà. Donc, très très petit. Hein. Bon, moi, je sais ce que c'est. Bon, ça, je pense que vous le verrez dans le titre. Hein. Donc, on ouvre ça. Allez, hop, hop. En plus, alors, ce qui est bien avec ce colis, c'est que je ne l'ai pas encore ouvert. Ça, c'est bien ça. Pour une fois que je n'ouvre pas à l'avance. Par contre, y a un peu trop de scotch, frérot. À mon goût. Ça, c'est quand tu galères, c'est bon. Voilà ce que c'est. En gros, c'est une fixation ProShot pour mettre la GoPro. Parce que, attendez, je regarde bien, ça fait ouais. Parce qu'en fait, regarde. Bon, ça, c'est mon casque où je fais mes vidéos. Moi, je mettais la GoPro là, tu vois, t'es d'accord avec moi, tu vois. Bon, les gars, je regarde le retour caméra pour voir si ça rend bien. Pour voir si on voit bien. Donc, du coup, avant, moi, je mettais la caméra là, tu vois, sur ce côté. Maintenant, en gros, je vais avoir la GoPro là. Genre, là, elle sera là, en gros. C'est pour ça, je sais pas, parce qu'en fait, du coup, en fait, en gros, genre, la caméra, là, la fixation, en gros, je vais la mettre là. En fait, elle se met sur les autocollants GoPro. Mais je sais pas s'il faut que j'enlève les autocollants ou pas. Allez! C'est du plastique, mon pote, j'arrive même pas à le déchirer. C'est petit autocollant ProShot, mon pote, tu connais. Bon, du coup, en gros, bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais comment tu vas la mettre et tout. En gros, il y a genre du. Vous savez, tu sais, c'est un scratch en gros. Donc, du coup, là, il y a la partie blanche que je vais coller sur le côté, comme ça, là, du casque. Et après, t'as genre l'autre côté où t'as genre la fixation, comme ça. Et en gros, ben, ça va se mettre. Attends. Ah ouais, putain, c'est flexible. Putain, c'est flexible, c'est bon. Putain, c'est ce que j'étais en train de me demander en vrai. Si c'était flexible ou pas. Et franchement propre. Mais par contre, putain, je sais pas s'il faut que. Attendez, je vais d'abord enlever mon micro, etc. Donc du coup, s'il y en a qui savent pas où je mets le micro, vous savez, là, il y a genre la van là, du casque. Et en gros, ben moi là, genre, j'ai un espace en gros. Tu vois. Et du coup, ben, vu que moi c'est un micro-cravate, ben, je le fixe dedans et voilà. Ouais les gars, et dites-moi si le planning vous va. Parce qu'en gros, genre, s'il y en a qui ne savent pas, en gros, là maintenant, je me suis mis à faire deux vidéos par semaine. En gros, genre, je sors une vidéo tous les mercredis à 17h et tous les samedis à 17h. En gros, mercredi, samedi, 17h. Donc dites-moi si ça vous va bien, comme ça. Deux vidéos par semaine, tranquillou. Ouais, il y en a plein qui me disent, ouais, Kenny, change ton casque cross et tout. Ben, donne des sous, frère. Tu sais, si tu veux que je change de casque et tout, si tu m'obliges à le changer, ben, donne-moi des sous et si tu veux, je le change, tu vois. Mais si tu veux, il y a mon PayPal en description, tu me donnes 50 euros ou, je sais pas, genre, tu me donnes combien tu veux et je peux acheter un autre casque, frère, tu vois. Mais bon, moi, j'ai pas de sous, du coup, ben, voilà.
Moi, genre, j'ai acheté cette fixation parce que la dernière fois, j'ai fait un live sur YouTube. Et en fait, en gros, j'ai dit que tous ceux qui allaient me donner tous ceux qui allaient me faire des dons, bah, en gros, j'avais acheté cette fixation. Et vu qu'il y en a qui m'ont aidé, etc., il y a Bicouze. Franchement, lui, frère, je sais même pas comment on dit. Bicouze. Ouais, voilà, on dit comme ça. Mais franchement, merci à toi, mon pote. Parce que regarde, tu vois, genre, maintenant, je l'ai grâce à toi, mon pote. Ouais, parce que genre lui m'a fait plusieurs dons et tout. Franchement, ça fait plaisir. Il y en a d'autres, mais je suis pas encore. Enfin, je m'en souviens plus de votre pseudo, on va dire. Mais franchement, gros big up à vous, franchement, cette soirée c'était au top, frère. Et voilà. Parce que en fait, j'avais fait un live. Et en gros, genre, j'avais dit que. Enfin, je leur avais pas dit que, en gros, les dons ils allaient être pour ça, mais moi, genre, dans ma tête, c'était ça déjà. Et du coup, ben, vu que j'ai reçu ces sous-là, ben, en gros, ben, voilà, j'ai acheté la fixation. Voilà, en gros, j'en ai eu pour 50 euros avec les frais de port. Enfin, moins de 50 euros parce que là, c'est en dollars, mais voilà. Donc, au moins, on pouvait pas dire, ouais, on lui fait des dons, il est parti au restaurant avec sa meuf. Ah, mais pas du tout, frère. Non, moi, je l'ai dit, je l'ai fait, frère. Tu vois, je peux me payer. Dis-toi juste un truc, frère, j'ai 20 ans, j'ai jamais invité une meuf quelque part. Genre, moi je m'en bats les couilles, frère. Par contre, là ça va être Tarpencho en fait. Parce qu'en fait, en gros, genre, il faut que je note ça va où, etc. Où c'est joué. Il me fait un stylo, ma mère. Ouais, je m'amène. On peut faire un truc. On va mettre ça là. Voilà. Donc, les gars, je vais essayer de pas enlever les autocollants parce que franchement ils sont super bien collés mon pote. La vie de ma mère ils sont collés mais un truc de ouf. Bah ça vient de ces bruits. Ah, c'est fixé. Ah ouais, en fait, genre eux là, parce qu'en fait, tu vois, moi, genre là, je l'ai mis droite en gros, tu vois, genre là, je l'ai mis droit, moi, tu vois, mais genre eux là, ils la mettent plus vers le bas. Ça c'est tout décollé, d'accord. Bon les gars, tu sais quoi, je vais relancer la vidéo quand j'aurai tout bien mis et voilà. Ouais, ouais, donc franchement, c'était la galère, mon frère, à la mettre. Parce qu'en fait, genre, je vous explique, vous savez, en gros, Charty, il te donne deux trucs ça, mais tu sais, sur le côté autocollant. Et en fait, en gros, ben, comme je vous l'avais mis, ben, en gros, genre, moi, je les avais mal placés, tu vois, ce qui peut arriver, c'est la première fois de ma vie que jamais. Du coup, c'était mal placé. Du coup, ben, j'ai décidé de les décoller et là, les trucs ils collaient plus, mon frère. Mais plus. Genre, c'était. Voilà, ça collait plus. Du coup, ben, vous savez, genre, tu sais, les trucs GoPro là. Vous savez, genre, tu sais, qu'on met sur le casque, les fixations et tout là. Ben, en gros, genre, moi, vu qu'avant j'avais un partenariat avec des fixations GoPro, ben, en gros, genre, il m'a donné beaucoup de trucs autocollants. C'est du 3M. Du coup, ce que j'ai fait, et vous savez, genre, tu sais, c'était en bande. Voilà, c'était. La bande elle faisait exactement cette longueur-là. Et du coup, bah, en gros, genre, j'ai coupé mes trucs comme ça, là. Je les ai coupés en petits morceaux, mon pote. Et genre, en petits morceaux. Et genre, depuis tout à l'heure, là, je suis en train de faire du collage. C'est-à-dire qu'en fait, genre, tu sais, je mettais une grande bande, après, je mettais une petite bande, je mettais une grande bande. C'est laisse tomber, frère. Du coup, j'ai dû le faire. Du coup, c'est un truc fait maison, frère, le bordel. Franchement, c'est la merde à mettre. Enfin, je sais pas si je suis le seul à galérer à mettre cette fixation, mais moi, je sais comment j'ai galéré, frère. Voilà, bon. Du coup les gars, on va pas trop s'attarder, t'sais, sur la fixation comme ça. Du coup, moi là, je vais essayer de la fixer, etc. Et de toute façon, après, ben, à la suite, là, je vais vous mettre ben, quand je la teste en vidéo, quand je cadre, etc.
pour voir si c'est mieux. Du coup, ben, les gars, on se retrouve ben, pour le test de la vidéo. Allez! Franchement, j'espère que cette friction elle rend bien parce que moi je l'aime bien. J'en trouve juste un peu lourd, tu vois, genre ça penche sur l'avant. Mais bon. Après, ça, je pense qu'après ça c'est une question d'habitude, quoi, tu vois. Les gars, donc dites-moi si les vidéos de semaine, deux fois par semaine, une à mercredi 17h et une autre samedi à 17h. Mercredi, samedi 17h. Et de toute façon, s'il y a un moment où je pourrais pas mettre la vidéo ou quoi, franchement, je pense que je le dirai sur Snapchat. Donc franchement, les gars, moi je vous dis, suivez-moi tous sur Snapchat parce que c'est où, genre, parce que je propose des Skype pratiquement tous les soirs. J'essaie de répondre à tout le monde, c'est vrai que des fois genre, je me fais harceler, frère. Mais bon, j'essaie de répondre à tout le monde. Des fois, j'appelle même mes abonnés et tout. On double pas, lui. En ce moment, frère, je suis trop serein, frère, quand je cave. Il me regarde le col. Ouais, frère, tu sais, les gens ils me voient y parler, tu vois. J'arrive à l'écouter, mais ils parlent à qui, tu vois. Ah, frère, je travaille. Hein. Toute la nuit. Je l'ai ça! Elle est fraîche ta petite fixation! Hein. Ça? Ouais, je l'ai reçu ce matin! Ouais, je sais! Ah merde, y'a le bus! Il va me renverser, voilà! Attends, j'arrive! Marché de Noël. Ouf. Il est beau hein, le Golf GTE. Golf électrique. Bah sinon les gars, je peux pas vous dire si moi la fixation elle me plaît ou pas. Parce que franchement, je sais pas, j'ai directement filmé avec, j'ai pas su comment elle était, la fixation ou quoi. Là, j'ai dit écoutez, je voulais pas accélérer, frère, la voiture elle accélère pas, frère. On voulait accélérer sa mère. Sa grand-mère. Mais comment il fait froid, frère?
Bah oui, encore plus de voitures, non, ça va, c'est plutôt tranquille là. Tout ça pour ça, ok. Bon les gars, j'espère que je vais vous laisser là, de toute façon il va y avoir que des bouchons là. Ça sert à rien. Bon les gars, sinon j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que la fixation elle me plaira et elle vous plaira et voilà. Donc si la fixation elle vous plaît, moi elle me plaît et tout, je pense que je vais faire des vidéos que comme ça maintenant. Et après je vais alterner après avec celle qui est sur le côté aussi. Du coup les gars, ben, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et j'espère juste un truc, que la fixation elle est bien, tu vois, que ça rend bien, etc. Parce que sinon c'est la merde. Du coup, bon les gars, je vous dis à samedi, hein, parce que cette vidéo elle sortira mercredi. Ben moi je vous dis à samedi les gars. Allez, à samedi 17h mon pote. Allez.